Grosse ambiance hein, pour Justin Timberlake. Et Bodyguard alors, donc qui arrive sur scène à Paris. Parce que alors, moi j'ai toujours rêvé hein, d'être Whitney Houston, protégée par le beau Kevin Costner. Et le spectacle s'inspire bien sûr hein, de ce film culte sorti en 92. On retrouve notre chanson I Will Always Love You. Et sur scène, on suit l'histoire de cette chanteuse, hein, Rachel Maron, menacée par un fan qui lui envoie des lettres anonymes. Elle va donc être protégée par Frank Farmer, garde du corps d'élite. Et la belle et son protecteur vont tomber amoureux. Alors Bodyguard avait quand même totalisé 3,7 millions d'entrées lors de sa sortie en France. C'est le deuxième film le plus rentable de l'histoire et I Will Always Love You s'est juste vendu à 20 millions d'exemplaires dans le monde. Je vous laisse regarder ces extraits du spectacle. Vous l'avez vu, très jolie voix, belle performance belle vocale. Belle performance vocale de Valérie d'Or. C'est très très dur de passer après Whitney. Alors Valérie d'Or, elle nous vient de The Voice version Québec. En effet, elle chante très bien. Vous l'avez vu, on est complètement replongé dans l'ambiance, les décors, les costumes sont magnifiques. On a en plus de vrais musiciens sur scène et pas une bande son. Donc ça porte vraiment le spectacle. L'acteur Benoît Maréchal est aussi plus vrai que nature en Kevin Costner. Et j'avoue que ce petit côté poivre et sel me plaît bien. J'ai rencontré le joli duo avec David Vérag. Écoutez-les. On m'a pas approché pour être une copie de Whitney Houston. C'est sûr que Whitney Houston, elle m'a influencée, mais l'idée, ce n'est pas du tout de rendre le spectacle comme elle l'a fait. C'est vraiment de me l'approprier en espérant que le public français soit prêt à accueillir une Rachel Maron interprétée par Valérie d'Or. Moi, j'avais très peur de tomber sur une diva pour jouer le rôle d'une diva. Et j'ai eu la chance de tomber sur Valérie, qui n'est pas une diva. Dès la rencontre, la complicité s'est installée tout de suite et ça a été très facile, ce qui est une chance pour nous, pour le spectacle, pour toute l'équipe et pour le public, j'espère bien. Alors, je sais que ça vous taraude, Pascal. Oui, c'est le micro qui est branché. Quand même, faut l'expliquer, on se demandait ce que sur le front de nos deux chanteurs. J'avais envie de chanter, Pascal, ça faisait longtemps dans cette matinée que je n'avais pas chanté. J'ai fait un petit duo avec Valérie d'Or, I Will Always Love You. Waouh! So I'll go, but I'll think of you every step of the way. La suite au Palais des Sports. Voilà. Vous collez un peu la pression quand même, Bintili. Là, vous attaquez pas au morceau. J'avais fait mes vocalises parce qu'avant d'y aller, c'était en ce moment au Palais des Sports à Paris et en tournée dans toute la France. Merci Bintili, le temps.